Ce vol en hélicoptère vers une destination seule connue du pilote et de notre guide nous plonge immédiatement dans l'aventure. Nous sommes cinq, deux frères et leur oncle accompagné du moniteur guide de pêche et du caméraman. Ils sont tous bien décidés à vivre leur aventure. Le panorama que nous découvrons au fur et à mesure du vol nous plonge dans l'émerveillement et nous laisse sans voix. Je crois que ces paysages grandioses nous procurent un premier choc émotionnel qui dépasse déjà nos attentes et notre imaginaire. Nous sommes projetés en quelques secondes dans un nouveau cadre de vie, en pleine nature arctique. Nous allons débarquer notre matériel de camping, nos packrafts, nos provisions, nos cannes et nous installer ici pendant quelques jours avant de descendre la rivière vers de nouveaux horizons. Catapulté. Il a vraiment droppé exactement là où on avait regardé. Nickel. Ouais. Et là, le bonheur, hein, la place est libre. Magnifique. C'est la seule un peu interrogation, tu vois, du moment, mais... Il y a de l'eau aussi. Ouais, on a un des meilleurs spots à ombre de la péninsule suédoise que pour nous. Il y a le bras qui arrive du lac qui est au-dessus, sur 200 mètres à peu près, pareil, où il y a beaucoup d'ombre. Et là, à droite, là, il y a une grande baie qui part, tu vois, là-bas, connexion avec la rivière. Et ça, c'est une zone à brocher, ça. Ah ouais, juste là. Juste là. Ils sont sur vraiment bord de... Là, l'eau est assez basse, donc ils seront un peu vers le centre, tu vois. Ouais. Tiens, ou là-bas, Roland, à droite de la pierre, là. Et une ficelle, hein, si on perd un pack de bière. Moi, j'appelle l'hélicoptère, hein, qui nous remplace ça tout de suite. On vient de se faire dropper là, par l'hélicoptère sur une zone très très connue en Laponie suédoise, une rivière très cotée pour la pêche de l'ombre en sèche. On est en tout début de saison, on est au mois de juillet, début juillet, donc ça c'est une période que j'apprécie particulièrement parce qu'il n'y a pas de pression de pêche. Et un peu la crainte que j'avais en arrivant ici, c'était de croiser d'autres tentes et d'autres campements déjà de pêcheurs étrangers ou suédois. Et on a la chance de s'apercevoir déjà qu'on est seul. Là, on a fait une quinzaine de milles d'hélicoptères depuis Kiruna. Voilà, à peu près, on est à 60 km de Kiruna, vers l'ouest. Parce qu'actuellement, côté nord, le climat est encore un peu délicat, il y a encore beaucoup de neige. Et la différence des températures est très importante. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une zone qui est plus à l'ouest de Kiruna et non pas les belles rivières du nord. Première partie de séjour, on va être sur une vallée qui est vraiment ouverte, avec l'impression d'immensité. Et quand on va descendre la rivière, on va se retrouver un peu coincé, vraiment avec des montagnes de chaque côté, beaucoup plus de végétation, où là on va être dans un cours d'eau un peu plus intime. Ça sera un peu moins impressionnant que ça. Donc ça fait vraiment dans le séjour deux ou trois types de rivières différents. Et sachant qu'en plus, entre ces rapides, ici on va trouver des lacs, hein, qui sont créés naturellement par la rivière. Et on va pouvoir également pêcher en lac. Donc on peut vraiment s'adapter à plein de techniques de pêche différentes pour essayer de prendre de l'ombre, de la truite et du brochet. Voilà. La mission cette semaine, c'est d'essayer d'attraper les trois espèces. Le problème des tentes faciles à jeter par terre, oui, c'est que ça prend trop de place, tu ne peux pas les amener dans l'avion. Donc il faut repartir sur des modèles classique d'igloo. Alors il faut se remettre à monter l'igloo. Mais ils sont sympas, tu vois, le tuyau bleu dans le fil bleu, le tuyau noir dans le fil noir. Hop. Ouais. J'aurais dû être scout un jour, mais je ne l'ai jamais été. Mais bon, on va y arriver. Juste savoir entre la sous-couche et la surcouche dans laquelle on met les trucs. Mais... Ils avaient dit all exclusive. Hein. Et les moustiques, ça va? Ah nickel, pour l'instant c'est bon. Il y a un peu d'air, tu sais, ça les... ils restent pas trop en place en fait. C'est pas comme chez nous. Parce que ras du sol, ils sont... Ouais, un peu plus. Costaud là, ras du sol.
Le campement est rapidement monté à moins de 50 mètres de la rivière et la nourriture pour la semaine est mise à l'abri sous une bâche. C'est une bonne précaution. Le ciel est menaçant, une averse n'est pas à écarter dans les prochaines heures. Immédiatement à pied d'œuvre, Roland et Romain, qui débutent à la mouche, sont coachés par Marc, qui leur montre les bons gestes. Deux ou trois lancés seulement en bordure des rapides, et le premier poisson est vite ramené au bord pour être relâché. Je crois que personne n'a pensé à prendre un salabre. Heureusement, le niveau de l'eau est bas. Okay. Super poisson, hein. Super. Premier du séjour. Ils sont là. Ils sont pas loin. Ah, les plus beaux ombres du monde, là. Hein. Je la ramène au bord si j'ai pas de salade. Lève le bras, voilà. Encore, 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 voilà, encore, encore, voilà, hop là, vas-y, allez, voilà, prends le fil et tu ramènes un peu le fil, garde attention, voilà, bravo, merci, yes, regarde-nous, hey, attends, yes, c'est pas beau ça, merci, hein. Magnifique, regarde ça, c'est couleur. C'est incroyable. Vraiment ? Incroyable. T'as l'arvion, non ? Ouais. T'as l'arvion. Oh là là, c'est magnifique. Bravo. Allez, ma petite. Allez, fais gaffe que mes pieds débouchent. Yes ! Bravo. Wouh ! C'est trop beau. Il y a un poisson qui gobe un petit peu plus loin. La difficulté là pour l'instant, il y est. C'est de lancer et de bien réussir à voir sa mouche. Elle a premier lancé. Hein. Il venait de gober là il y a une minute. Là ils sont sur des petits moucherons. Allez. Pas très très gros. Après deux heures de pêche fructueuses à se régler techniquement, le ciel se dégage à l'ouest, derrière la chaîne de montagnes qui délimite la frontière avec la Norvège et la mer. Les émotions, ça creuse l'appétit. Retour au campement pour casser la croûte et préparer une bonne boisson chaude. Pour couvrir, c'est ça ? Ce repas autour du feu de bois est le lieu d'échange des premières impressions de pêche. À un moment, j'ai vu le gobage. Et du coup, je me suis repris, j'ai repris un peu ma soie, je l'ai posé et je pense que c'est celui que j'avais vu gober que j'ai pris. Et là, c'est un kiff encore meilleur, quoi. Parce que quand tu fais un peu au hasard, bon, t'es content d'avoir, mais quand tu prends sur le gobage que t'as vu, tu te dis, ah, ça commence à être bon, quoi. Tout le monde a pris du poisson, exclusivement des ombres. La pêche semble facile parce que les poissons sont présents et en pleine activité. Est-ce que ça va durer ? Le ciel est maintenant complètement dégagé et tout le monde est prêt pour la deuxième session de pêche devant le camp. Allez, go. Bien comme mouche. Là on a des petites mouches avec un petit corps orange, une collerette grise et un petit parachute blanc. Et du coup voilà, le parachute ça permet quand on a le soleil un peu comme ça bas où on a du mal à voir la mouche, de bien la voir sur l'eau, de bien voir les prises. Surtout avec les ombres, on a tendance à avoir des gobages plutôt discrets. Du coup, ça permet de bien voir les gobages. Hop.
Il y a des grosses éclosions, t'as vu ? Hop là ! Oh putain ! Oh. Hop là ! Yes ! Oh, rouge, c'est un truc de fou. J'ai posé, quand rouge, il m'a dit. Oh, elle est belle, elle est belle. Elle est belle ? Ouais. Elles ont des watts, hein ? Ils ont des watts. Cato frais. Voilà l'avantage de pêcher à plusieurs pêcheurs, c'est que là j'avais pas la bonne mouche et donc mon frère m'a indiqué que ça prenait sur des corps rouges. Du coup j'ai mis une mouche corps rouge et voilà, ça a de suite payé. Alors que seul, le temps qu'on fasse un peu toute la boîte, voilà. Un bel ombre qu'on mangera ce soir. Sur des voyages comme ça, on peut se permettre de garder 2-3 poissons pour le repas. Vu la quantité de poissons qu'il y a dans ces rivières, c'est pas trop gênant. À l'aller et au retour. Sur celui, chacun tout seul. Merci, merci, merci. Je prenais une deuxième fois. Lui il aspire. Elle remonte dans la canette. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors ce soir, ombre, papillote, garniture, aromatique, oignon, tomate, carotte, citron, un peu d'huile d'olive, du sel. Alors, origan, voilà. Huile d'olive. Avec le doigt, tu frottes. Sans modération, l'huile d'olive. J'ai dit qu'il fallait faire autre chose avec, mais ça ira peut-être, non ? Faut pas lancer des pâtes ou un truc. Ah ouais. On va faire bouillir de l'eau. Allez. Hop là. Magnifique. Voilà. Bon, il y aura peut-être un peu des arêtes. Hein. Faudra pas être... Excellent, excellent. Bravo pour la cuisson, les gars. Ouais, très bien. Ouais. Au top. Ah, c'est bon. Je vous attends, mais c'est terrible. Les carottes et tout. Ok, nickel. Regardez ça, c'est pas beau. Alors, c'est bon ? Très bon. C'est trop bon. Ouais, c'est simple. Tout le monde en part en bois d'air, c'est en bouson jusqu'à la fin de la soirée. On se trouvait dans les tentes de bonnes. Première veillée et la première nuit à la belle étoile au soleil de minuit. Pas de volet ni de rideau pour masquer l'éclat du soleil,
Pas facile de trouver le sommeil dans ces conditions. Une expérience qui déroute l'horloge biologique, mais dans une moindre mesure qu'un décalage horaire. Bonjour, ça va ? Et bien dormi ? Ah ouais. Comme des bébés. Très bien. Apparemment, on s'est tous levés à la même heure pour pisser. Ouais. Juste après vous. D'accord, moi j'ai eu deux fois, moi, par contre. Ah ouais, ouais. Et la première fois, là, j'ai pris cher. Hein. Ah ouais. Et froid surtout, non ? Deuxième fois, j'ai eu froid. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de vent. Le vent, il s'est levé vers 6h30, 7h. Là. Ouais. Bon, bah, ce matin, alors, tu es déjà parti. Tu as fait une petite sortie pêche. Voilà. J'ai réussi. Belle truite. Incroyable. Ce matin. J'ai attrapé une belle truite au lever du soleil qui s'est jamais couché. Devant le camp. Voilà. Ça fait plaisir. Et j'habitais pas loin d'un cours d'eau, le Verdon. Et ça m'arrivait le matin de me lever et d'aller pêcher avant d'aller à l'école. Je prenais mon vélo, je faisais l'ouverture. Et voilà. Et donc du coup là c'est un peu la Madeleine de Proust. Version adulte. Mais en tout cas, c'est génial, ça fait à peine un jour qu'on est là. Ça fait déjà un vrai sentiment de dépaysement total, de coupure. Une nuit sous la tente. Ça vous remet le système d'équerre. Ce matin là on a pris les canoës pour traverser le petit lac là, qui est juste ici là. Ouais. Et en fait ça nous permet de venir pêcher cette rive, la rive gauche ici du courant, qui est bien plus intéressante que celle de l'autre côté. D'accord. Et malheureusement on a du mal à traverser là. Donc le canoë, toi, c'est utile pour se déplacer déjà sur la rivière et en plus pour venir pêcher un spot là qui est vraiment bon, tu vois, c'est très profond, il y a des beaux courants, on voit déjà des poissons en activité, donc on va aller se regarder ça. Allez. On va descendre tranquille par ici, tiens. Je ne la vois pas. Tiens, tu vois le poisson qui a gobé là-bas ? Bien, on va s'approcher un peu, on va s'avancer. Et faire doucement. Hein. Hop là ! Doucement, c'est parti. Tu vois ? Il ne remonte pas trop dans la canne. Allez, tu nous ramènes. Toute petite mouche, il a pris. Hop là. Hop. Ciao. Ciao. Très beau gobage, juste un peu plus bas là. À la limite des vaguelettes. Doublé là. C'est parti. Une matinée en Laponie. Ah là, ça ressemble à ça. Hein. Ça, c'est le brochet. Un brochet ombré. Un brochet ombré. Ouais. Ah, c'est une truite. C'est une truite. Ouais, super. Ouais. Voilà. Belle fario. La bonne aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle parle bien le suédois. Alors, il y a pas parmi tous ces ombres, là. Hein. On a quand même des très très beaux poissons. Et une très très jolie fario. Ouais. Alors, on va lui rendre sa liberté. Hop là. Alors, la première fois que je suis venu ici en Laponie suédoise, là, c'est il y a environ une quinzaine d'années, avec Enguerrand, l'un de mes meilleurs amis avec qui on voyage beaucoup. On avait découvert ça sur des magazines de pêche à la mouche. Hein, à l'époque, voilà, on commençait vraiment à en parler, comme quoi c'était une très belle destination pour la truite, pour l'ombre. Il y avait des arctiques chars, des brochets. Donc nous, on s'est dit, on faisait un voyage tous les ans. Voilà, cette année, on va tenter l'expérience. Et de là, je suis venu très, très régulièrement en essayant beaucoup, beaucoup de rivières. Alors cette rivière ici, en tant que guide de pêche, hein, dans le cadre de mon activité, je voulais la refaire et essayer de la prospecter sur une plus grande distance. Et je me suis fait dropper, mais très loin, pour dire, on va couvrir une grosse zone. Donc à peu près à 15-16 km en amont de ce rapide ici. Et puis on a fait une descente sur 7 jours pour sélectionner voilà, les meilleurs endroits, les meilleurs postes pour bivouaquer. Donc là cette année, là, je suis accompagné dans le cadre de ce séjour hein, par
Olivier, Romain et Roland, hein, qui vraiment bénéficient de tout le travail qui a été fait en aval déjà l'année dernière. Donc a priori ça se passe bien, on est sur des premières zones de pêche vraiment intéressantes. Après la Laponie, voilà, c'est une zone immense, hein. Il y a une partie en Finlande, il y a le Finnmark en Norvège, là on est en Laponie suédoise, mais il y a de l'eau partout, il y a des étendues d'eau vraiment partout. Et avec les bons conseils des gens qui vous amènent en hélicoptère, vous pouvez découvrir chaque année quasiment une nouvelle rivière. Hein, donc avec des rivières plutôt typées pour la pêche de l'ombre, d'autres pour la truite. Certains pêcheurs suédois aiment beaucoup la pêche en lac et à ce moment-là, ils viennent vraiment pour pêcher uniquement en lac, hein, les arctiques chars ou les gros brochets. Nous, voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment d'attraper ces gros ombres lapons. Et puis, il y a une densité vraiment exceptionnelle. Hein. En 3 heures de pêche, on a attrapé 50-60 poissons déjà ce matin, ce qui est assez incroyable. Hein. Ça existe vraiment quasiment, je dirais, nulle part ailleurs. Super poisson. Belle bête, belle voilure. Alors, là, on vient d'attraper un joli petit poisson. Un bel ombre dans peu d'eau. Voilà, là on est vraiment sur la taille moyenne de ce qu'on trouve ici. Alors je disais, voilà, la densité des poissons est tellement importante que le pêcheur qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la pêche à la mouche, hop là, décroché. Le pêcheur qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience dans la pêche à la mouche, il peut venir ici et tout de suite attraper des poissons. C'est le cas cette semaine, avec nous on a Roland qui n'avait jamais touché une canne et qui attrape régulièrement ses 20-30 poissons quotidiens très facilement. Donc c'est un séjour qui est destiné à tout public, je dirais, dans le sens du niveau de la pêche. Par contre, là où on est un peu exigeant, c'est sur le niveau, la préparation physique. Voilà, il faut savoir qu'on est quand même dans des conditions extrêmes, hein. On est au-delà du cercle polaire, on est sous tente, la rivière est glissante, on marche beaucoup. Donc il faut une condition physique minimum nécessaire pour bien réussir ce séjour. Et moi, ce que je voulais faire dans le cadre de mon métier de guide de pêche, c'était encadrer de plus en plus justement ce genre de séjour aventure où on est en immersion, voilà, totale avec la nature. Dépose en hélicoptère et puis après, pendant 6 jours, il ne se passe plus rien. Pas de réseau téléphonique, pas de téléphone. Voilà, un téléphone satellite en cas de pépin. On est vraiment coupé du monde et c'est ce qui plaît vraiment à tout le monde. Donc sur cette rivière, c'est un poisson qu'on retrouve soit dans les rapides, dans les eaux courantes très oxygénées. Donc là, il est vraiment facilement repérable par ses gobages ou même on peut le repérer directement à vue. Mais il a la caractéristique également de vivre dans les lacs qui sont formés par cette rivière. Donc dans des eaux complètement closes, complètement lentes et très très profondes. Donc il n'y a pas vraiment de tactique spécifique pour l'attraper. Hein. On peut le prendre soit en lac, soit en rivière. Par eau profonde, par eau très basse, un peu au milieu, sur les bordures. En fait, il est tellement abondant que je dirais qu'on peut quasiment s'arrêter partout et espérer pouvoir attraper un nombre commun sur cette rivière. On a pu se rendre compte qu'il y avait énormément de moustiques. Hein. C'est la nourriture essentielle des poissons ici. Mais il y a également une très très grande variété d'autres insectes, tels des éphémères, des plécoptères, des trichoptères. Vraiment, le milieu lui offre ici toutes les possibilités de grossir très rapidement et de s'empiffrer, entre guillemets, pendant la période estivale. Donc le matériel utilisé ici lors de ce genre de séjour, c'est du matériel très classique et très polyvalent. Hein. On utilise une 9 pieds soit de 5 pour pêcher l'ombre en sèche, hein, voire 10 pieds soit de 4-5 aussi, ça peut passer. Soit flottante, bien évidemment, on va pêcher en sèche 90% du temps. Pour les personnes qui veulent espérer tenter une grosse truite ou du brochet, à ce moment-là, il faut apporter du matériel un peu plus spécifique, des soies plongeantes pour pêcher de la truite au streamer,
et une canne un peu plus puissante, type 9 pieds, soit de 8, soit de 9, pour pêcher le brochet, lui également avec des soies intermédiaires, voire plongeantes. Donc il faut quand même un minimum d'équipement pour pouvoir essayer de faire le trio lapon, truite, ombre et brochet à la mouche. Tu pars où là? Là-haut. Tout là-haut. Tout là-haut, voilà. On va faire un petit tour en courant. Essayer de voir un peu des animaux. Allez, bonne course. Allez. Je connais Olivier, hein, à chaque fois que je l'ai avec moi, il me fait un trail, il me fait un sommet. Je me réveille au petit-déj, il rentre trempé de sueur, il a couru 3h30. Enfin voilà, c'est un spécialiste. Hein. Non mais nous regarde, on va s'occuper de lui faire un petit repas de féculents. Comme ça quand il rentre, il reprend des forces et il n'a pas intérêt à dormir demain à la pêche. Parfait. Ça, j'essaye. Les trois noirs. Fly me to the moon. C'est ça, les adaptes. Ah, mais ça, voilà, c'est ça. Moi, j'en ai plus là. Non, il a un stock. Quoi. Les trois là, c'est bon. Voilà, quand tu auras déjà niqué tout ça. Ok. Ça te fait 6 mouches. Tout est bon, c'est comme un cochon. Après, voilà, ça, tu vois, ça marche bien. Ça, il faut essayer les wolf. Hein. Mais là, s'il n'y a pas de vent, c'est que celle que j'ai sur la canne. Et en petite taille comme ça, moi, j'ai eu moins de résultats, j'ai l'impression. Ouais, bah Roland, je lui mets depuis le début. Le seul rose que j'ai là, c'est les hameçons de 18. Non, ouais, moi je sais qu'il est. Avec des micro mouches. Ouais. Et tu te dis, des fois, ça bouge beaucoup, elles vont pas venir prendre ça, hein, elles prennent. Hein. Ok, alors, check. Trois rangées là. Allez, nickel. Quand tu n'as plus rien, tu m'appelles. Je te remercie. Puis je te redis. Donc là, aujourd'hui, on va traverser la rivière à pied là, qui est juste devant le camp. Donc les niveaux d'eau là le permettent aujourd'hui, hein. Classiquement on est obligé de prendre les canoës. On va faire 400-500 mètres pour rejoindre un deuxième petit courant un petit peu plus en amont, hein, qui lui aussi est traversable, donc on pourra pêcher les deux rives. Donc là il est 8h30 du matin, on devrait être tout seul sur le spot. Et cet après-midi on redescendra tranquillement au camp faire une petite sieste et on finira la journée je pense devant ou sur un petit lac à brochet là, qui est un petit peu plus sur la droite là-bas. Ah, c'est un mâle, c'est ce qu'il disait Marc avec les grosses nageoires, c'est des mâles. Waouh, regarde-moi ça. Waouh, ah, c'est un beau mâle ça, tu vois. Ah, c'est un joli mâle, effectivement. Magnifique.
Allez. Juste avant de remonter. Ah, tu vois là, c'est pas le même gabarit encore. Dès qu'on tape un peu plus profond. Le changement de la petite remontée, là, je suis remonté doucement pour faire remonter ma nymphe et il a attaqué en plein dessus. Super. Oh là là. C'est de sortir du courant. Première ombre de la journée en nymphe. Belle récompense. Voilà, en changeant de nymphe, des fois. Hein. Et ça, c'est un mâle ou une femelle alors? Ça, on demandera à Marc, mais je pense que c'est un mâle. Hein. Un petit mâle. Et bien combatif. Allez, va voir tes copains. Hop. Dernière journée sur le rapide ici, alors profite. Ouais. Après, on va pagayer. Ah, ça fait partie du challenge. C'est bon. C'est celui qu'on a vu gober tout à l'heure. Hein. C'est rigolo parce que tu arrives, tu fais la première veine, enfin, le bord du courant, le milieu, derrière. Ouais. Ça va faire. C'est le bruit du frein. Un petit peu discret les poissons ce matin. Et puis petit à petit, à force d'insister sur les trous, j'ai enchaîné à un moment une petite dizaine de poissons d'affilée. Ça s'est recalmé un petit peu, mais le secteur est tellement gros que, à force de prospecter, on arrive à faire du poisson quand même, des beaux poissons. Et là, on va voir ce qu'on peut faire ici sur ce petit coin là. J'ai fait essentiellement sèche, avec des couleurs un petit peu flashy, du rouge, un petit peu d'orange. Apparemment, sur le rouge, depuis le début du voyage, c'est ce qui prend le plus. Hein. L'ombre, petit coup de cœur sur ce poisson. Franchement, c'est un sacré petit caractère. Ça fait des beaux gobages. Et franchement, ça bataille pas mal, hein. Même si j'ai pas pris des gros poissons. Mais ça bataille pas mal quand même, hein, donc ça fait des bonnes sensations. Allez. Hop là. Bravo. Yes. Pas un gros, mais on voit déjà qu'il bataille déjà pas mal. Ouais. J'espère juste qu'il va pas se décrocher vu que j'ai pas d'ardillon.
Je l'ai pincé là. Chut, 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 chut. Voilà. Magnifique poisson. Et hop là. Bravo. Yes. Au top. Après un bon repas, tout le monde succombe à une sieste réparatrice. La température de l'air dépasse les 25 degrés en milieu de journée. Comment imaginer que nous sommes au-dessus du cercle polaire ? Donc on est en train de se déplacer tout doucement sur zone. Donc là, on est dans une baie qui est assez protégée du vent. Il y a beaucoup moins d'ombre, il y a moins de courant. Et c'est une zone vraiment beaucoup plus propice pour la pêche du brochet. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conditions, ça devrait le faire. Là. On n'est pas parti trop tôt dans l'après-midi parce que le soleil était un peu trop haut. Et ça, le brochet, il craint un peu. Là, le soleil est en train de tomber. Il doit être 19h, 20h, je ne sais pas du tout. Et ça commence à être un moment vraiment très propice pour la pêche du brochet. Et j'espère qu'Olivier va attraper son premier brochet à la mouche. Là, ce serait une première expérience pour lui. On va attaquer. Il n'est pas pris loin, hein. Regarde l'hameçon, il est juste ah au coin. Ouais, hein. Hein. Ouais. Oh, il est magnifique là. Ouais, il y a la belle lumière. Alors attends. Merci Marc. Hein. Attends, t'as pêché comme un chef. Hein. T'as ton téléphone là, tu veux une photo? Ah ouais, je veux bien. Alors, on a fait partir quelques jolis poissons. On a pêché quoi, une heure et demie. Et au final, on s'est retrouvé avec un résultat top. Et on peut rentrer au camp serein, retrouver le reste du groupe qui, eux, je pense, se sont encore amusés sur les ombres et en ont pris des paquets d'ombres. Donc voilà, c'est la première fois que je pêche avec un streamer de ma vie. Et je suis sur une autre planète, voilà, mmh. En Laponie, sur la même terre, mais voilà. Top de chez top. Oh putain, la bière. Allez, on va pas voir les autres, on rentre direct au camp. Là. Oh, ça fait une heure et demie que je paguais là. Ouais, je me disais, ça avance, c'est forcément qu'à l'année. Mais décifié là. Yeah, là j'ai fait la photo du siècle. Avec le poisson hors de l'eau. Pouah, avec le poisson complètement hors de l'eau. Alors celle-là. Tu vois le truc? Attends. Putain, merde, attends. Regarde ça comme c'est beau. T'es où? T'es là. Un spot avec un bateau à moteur. Ouais, en pêchant. Leur problème, c'est que... Mais non. Mais je te dis que si dans ma vie, j'en attrape qu'un et c'est celui-là, ben, ça me gêne pas, tu vois. Ah ouais, non. Ouah, santé. T'as vu un peu? Magnifique. Ce monstre. Ah, bien là.
fait bah bon. Yes. Bien joué. Voilà. Magnifique. Ah, ça a été un beau combat. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ah, ouais. Ah, il nous a fait batailler. T'as au vu ce combien monstre de temps vous avez fait ça? Ah, on en a vu partir un comme ça qui s'est dérobé un peu devant nous. Et on a continué, persévéré. Je me suis remis un peu en... C'est un peu, tu sais, tu lances 50 fois. Je me suis remotivé et bam. Et l'attaque? Ah ouais. Violent. Ah, violent quand même. Et le combat, hein, ça tire. Hein, ah ouais, je veux bien te croire. Ouais. Puis il y avait des cailloux, des trucs et tout, donc tu as toujours peur qu'il aille se foutre en dessous, qu'il te pète tout. Avec une petite canne 9 pieds soit 6, Madine Marc Bosch, Conception. Top. Voilà. Ah, c'est génial, hein. Putain, on a bien trop joué. Ah ouais, là, ouais. Ça change les plans du cuistot. Demain soir, on va voir. Mais périmé. Le dessert, on pourra toujours se faire les pommes, ça c'est pareil. Oh. Non, moi, allez, je prends dans le bol, c'est un truc. Ah, bah putain, allez, bah donne-le à Eric. Okay. Ah, moi, tiens. Je vais m'occuper de finir par faire ça. Alors, okay. Non, mais tu vas manger, toi, tiens. Tu t'es même pas changé, en plus. Ça veut dire descendre un peu, je vais finir mon bol. Dernière veillée, dernière nuit dans ce camp qui nous a comblés par sa nature si belle et si généreuse. L'hélicoptère doit nous récupérer une vingtaine de kilomètres en aval pour nous ramener à Kiruna dans 3 jours. Il est temps de lever le camp pour poursuivre l'exploration de la rivière Kaitoum et la pêche au fil de l'eau. Cette descente en canoë avec les paysages qui défilent lentement favorise la contemplation, la méditation et le questionnement. Nous sommes en Laponie suédoise et forcément, on s'attend à voir des rennes. Mais à part les sentiers tracés par ces animaux dans leur transhumance vers les hautes montagnes et quelques mues trouvées de-ci de-là, je dois retourner à Kiruna pour les observer dans un parc. Kiruna et ses environs est un endroit spécial à plusieurs titres. C'est la ville la plus septentrionale de Suède, à 145 km au-dessus du cercle polaire arctique. Une situation géographique qui permet de vivre l'expérience inoubliable du soleil de minuit entre la fin mai et la mi-juillet. Un soleil qui brille 24 heures sur 24. Kiruna a été fondée en 1900 avec l'exploitation du minerai de fer. Depuis 2004, c'est une ville en mouvement. La municipalité et la société minière ont entrepris le déplacement d'une partie de la ville, soit dans une vingtaine d'édifices et 6000 de ses habitants, dans le cadre d'un plan de transformation urbaine. C'était le seul moyen d'éviter une catastrophe due au risque d'effondrement que fait courir l'extension des galeries en sous-sol sur plusieurs kilomètres et plus de 1000 mètres de profondeur. L'objectif est d'ériger Kiruna en un modèle de ville durable à l'horizon 2035. L'église de Kiruna, qui date de 1912, est concernée en priorité par cette relocalisation. On dit ici qu'elle serait déplacée en 2025, mais on ne sait pas encore précisément comment. En attendant de trouver la solution, elle reste un lieu de visite incontournable lors d'un séjour à Kiruna. Cette église est remarquable par sa forme géométrique, la pente de sa toiture et son volume intérieur inondé de lumière. Elle fut dessinée par l'architecte Gustav Wickman, inspiré par l'habitat typique des Samis, fait de bois et de fourrure. À 18 km de là, l'église du village de Jukasjärvi
rappelle aussi cet habitat et la culture Sami. C'est l'un des plus anciens villages de la région. Il date du XVIIe siècle. On peut y visiter un musée et un camp Sami reconstitué pour une première approche de cette culture millénaire, toujours vivante et en perpétuelle évolution. Après cette courte escapade en ville, je rejoins nos aventuriers pêcheurs pour un ultime bivouac, avant le retour vers le futur. Alors là, on est à peu près au deux tiers du parcours. Alors habituellement, je passe par là sans m'arrêter. Sauf que voilà, cette semaine, on a fait un lac approché cet après-midi, qui n'était pas très productif, donc on a préféré continuer sur notre lancée pour faire du canoë un peu plus. Et du coup, on s'arrête sur une nouvelle étape et ça me permet de découvrir un nouveau site voilà, où je peux savoir qu'en cas de pépin, je peux m'arrêter et puis mettre tout le monde à l'abri et au sec. Et il restera une étape demain encore pour finir le dernier tiers du parcours où là, on arrivera sur des gros camps où on aura la place de s'installer. Ça, je vais laisser le quai là. Il est juste devant. Il est vraiment juste devant. Il est devant. Ça a vibré. C'est vieux. C'est un régal, hein? En train de profiter de la lumière de minuit de Laponie suédoise. Voilà, il est minuit, on a un cadre fantastique et on a des ombres énormes qui gobent sur le radier. Et voilà, ici on peut que en profiter, il n'y a pas d'heure, on n'est pas fatigué. Il faut vivre sa passion à fond, la pêche tout le temps, 24 sur 24, ça dure 2 mois dans l'année. Et on ne pouvait pas passer à côté de ça au moins une fois dans le séjour, une fois dans la semaine. Hop là, voilà. C'est plus facile dans le courant. Ils vont moins draguer. Ah, elle est calme comme ça, c'est que des beaux poissons. Hein. Regarde ça. Ça, c'est un ombre ou une truite? Regarde ton frère. Il y en a un aussi ? Il y en a un, ouais. Ah, il a décroché. Ah, t'as décroché ? Ouais. Hop. Yes! Bravo! Wouh! Est-ce qu'il est pas parti là? Je sais jamais vraiment trop quand est-ce que je peux commencer à le ramener. Après, il est vers la base. Je pensais retrouver la nature, mais en fait, je ne l'ai pas retrouvée, je l'ai simplement trouvée. C'est-à-dire que je n'imaginais pas cette nature-là, cette beauté, ces immensités. C'était exceptionnel. On a eu en plus un temps magnifique,
tout le long du parcours. Le groupe est juste génial, on s'est éclaté. Tu vois, presque, je vais même parler de la pêche en dernier. C'est fou, mais alors que c'est quand même le centre. On a pêché tout le long. Et puis bon, voilà, les bivouacs. Les bivouacs, c'est juste aussi du bonheur, quoi. C'est-à-dire quand on arrive dans un endroit, on met tout de suite un petit feu et on se met à cuisiner les quatre trucs qu'on a amenés ou qu'on a pêchés éventuellement. Voilà. Ouais, ça, c'est... J'ai toujours tendance à dire... Je ne sais pas vraiment ce que c'est le bonheur, mais en tout cas, ça peut y ressembler. Et j'ai passé une semaine de bonheur. Ouais, une vraie semaine qui a coupé. Je travaille quand même pas mal. J'ai plutôt un travail sédentaire, mais en tout cas sur ordinateur. Et j'avais besoin de ça. Je le ressentais au plus profond de moi. On a eu beaucoup de chance en pêche. On a attrapé beaucoup de poissons, beaucoup d'ombre. Et beaucoup d'ombre, des gros poissons, régulièrement entre 30 et 40 cm, voire pas mal de prises à 50 cm. J'ai eu la chance, c'est la première fois que je pêchais le brochet, d'attraper un gros brochet, pratiquement un mètre. Donc pour les pêcheurs de brochet, ils doivent savoir que c'est déjà une belle prise. Et voilà, après, surtout très content d'avoir pu partager ça avec mon frère, avec mon oncle. Et avec Marc aussi, qui nous a vraiment super, super bien guidés. Il nous a accompagnés dans les meilleurs spots. Je ne pouvais pas rêver mieux, voilà. C'est vraiment le top. Voilà. C'est la première fois qu'on voyage tous les deux. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de gros voyages comme ça tous les deux. Et c'est un régal, quoi, de le voir pêcher, attraper du poisson et de voir quelqu'un de sa famille être bien comme ça. Surtout tous les deux, quoi, qu'on soit dans le même plaisir, quoi. Le ressenti que j'ai eu sur ce voyage, c'est que tout ce qu'on a pu faire ici, ça avait... c'était puissance 1000 par rapport à ailleurs, quoi. Et ensuite, on a redécouvert des petits plaisirs, quoi. Se faire la popote le soir, des choses simples, mais... se régaler juste pour un petit plat de pommes de terre, des choses simples mais agréables. Ça fait du bien. On est fatigué physiquement, mais par contre mentalement, ça fait vraiment du bien de se faire un petit break comme ça. C'est vraiment agréable. On a passé vraiment des bons moments et je pense que quand on bossera ensemble la semaine, on va faire que de se rappeler des petits moments comme ça pour un long moment. C'est vrai qu'on n'a qu'une hâte maintenant, c'est de faire venir les enfants et de leur faire partager ça à eux aussi. Ça sera des bons moments, je pense.